Avec ce filtre-là, tout le monde est bon, tout le monde est magnifique. Oh, c'est hallucinant, regardez-moi ça, on dirait que j'ai fait un maquillage full make-up. Filter has been used over 2 million times. It's crazy. I don't look anything like this, but the filter itself looks natural. Like there's some skin texture there. I've seen other people use it and then do like a big reveal and they've looked pretty much exactly the same, perhaps just less contoured makeup. But I don't want to say this about myself, but I actually look ugly when I take this filter off. I've done a lot of work to unlearn that I owe prettiness to anyone. I don't think my brain knows how to deal with looking like this 1 minute and then this the next. Je vais vous parler de la plus grosse arnaque de TikTok. L'heure est grave, les amis. Je suis dans ma cuisine, le matin, en train de prendre mon petit thé. Puis là, je vois passer un filtre de malade. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'essayer. Et là, je vois cette tête. Non, mais attendez. Moi qui n'utilise jamais de filtre, le filtre est censé embellir un petit peu. Mais là, non. Avec ce filtre-là, tout le monde est bon. Tout le monde est magnifique. C'est hallucinant, regardez-moi ça, on dirait que j'ai fait un maquillage full make-up. Non mais attendez, quand je vais vous montrer ma tête avant, après, ça va faire mal. Attention les mecs, quand vous allez commencer à draguer les meufs là, vérifiez bien que ce filtre-là n'est pas en bas à gauche. Oh, franchement c'est violent, TikTok tire à balles réelles. Je vais montrer ma tête à mes enfants, je vais voir un petit peu ce qu'ils vont me dire. Viens mon fils, regarde, regarde-moi. Oh, tadam! Et sérieusement, ce filtre, c'est vraiment une fabrique à complexe.